Tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Champy où on peut retrouver des vidéos de divertissement et de jeux vidéo en ASMR ou en stream normal sur les jeux Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Fortnite et autres jeux du moment. Donc aujourd'hui on se retrouve sur du Clash of Clans. Ça fait un petit moment, la dernière vidéo remonte à HDV niveau 8 je pense. Et je ne voulais pas vous montrer exactement les mêmes vidéo pendant un moment, étant donné que je devais fortement évoluer mon hôtel de ville, donc mon clan. Avant de vous montrer tout ça, n'hésitez pas à rejoindre le clan qu'on a réalisé, c'est Clash ASMR. C'est un petit clan, pas spécialement pour tryharder, mais pour évoluer si vous commencez le jeu. Et on évoluera tous ensemble et peut-être créer quelque chose de très intéressant. Donc aujourd'hui ça a beaucoup évolué, nous sommes un maximum de défense. Je l'ai tout bêtement copié-collé, hein. Je l'ai trouvé, donc j'ai pas eu envie de tout recommencer, de réfléchir. Et on a bien évolué au niveau des trophées. Donc on va un petit peu observer notre composition et les attaques que nous avons réalisées. Donc il y a eu un changement. Avant j'utilisais une attaque plutôt très terrestre, où on était donc avec des rois, des barbares et les archers, la reine des archers. On faisait pas spécialement du 100% mais plutôt du 20% avec 5 trophées, là 50% là on a raté et après on a réussi à trouver une petite compo plutôt sympathique. Regardez la différence où on passe du coup roi barbare et reine des archers, 4 PK toujours, 2 guérisseuses et on garde encore le mineur avec 6 sorciers et 2 molosses là où c'est qui avait changé la donne. Et ça on va vous montrer un petit peu. De 1400 trophées à aujourd'hui à plus de 1700 trophées. Ça aussi grâce à la défense où on avait une défense assez nulle, on va dire. Et on passe donc de 100% en défaite à une attaque sur deux, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur 6 attaques, on a 2 défaites. Donc c'est plutôt cool. Donc on a réussi à gratter plus de 100 trophées grâce à notre de clan et ça c'est plutôt cool. Donc on va un petit peu regarder les différentes attaques, genre on va prendre ici celle-ci qui est plutôt magnifique, on passe à 100%, on va observer ça. Du coup on était passé sur un clan assez je vais pas dire élevé, hein, assez basique. J'essaye de trouver un déséquilibre par rapport aux défenses, donc vous savez pas ici où vous allez voir les grosses défenses et les grosses attaques, mais quand même on fait un bon taf. Et je voulais viser évidemment les trophées pour monter dans le classement. Donc c'est parti là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher en premier lieu nos molosclaves pour avoir le temps, étant donné qu'ils ont plus de 6000 de PV. Comme ça, on a la maximum de défense basée qui focus nos molosclaves. Et ensuite, on déploie 2 PK de chaque côté. Voilà. Par-dessus, sur chaque PK, on permettant de les garder en vie. Et ensuite on va déployer notre mineur en plein milieu dans le tas, permettant un maximum de grattage de dégâts. Pour l'instant nous grattons les dégâts sur les petites mines etc. pour se focaliser. Et ensuite aller tout doucement sur les défenses centrales. Donc là ça fait plutôt le taf, on attend encore un peu. On déploie doucement ici nos sorciers pour commencer à attaquer l'intérieur de la base des murs. Et puis on lance l'archère, la reine des archers, avec son super. On en profite aussi pour poser ici un sort de vitesse, de motivation, pour réaliser un maximum de dégâts et focaliser tout ceci. Donc on va mettre en voie normale. Donc là on a bien gratté les défenses sur le côté. On va essayer de viser un maximum le centre qui va se faire gratter par la reine et les archers restants. Nos PK font le taf, heureusement qu'on a eu nos guérisseuses qui ont tenu jusque
moitié de l'attaque. Et voilà, le reste, on a encore assez de troupes, assez élevées, pour chercher les dernières défenses qui ne sont plus assez fortes pour nous tuer. Et on va chercher du coup le centre. Et nous réalisons nos 100% dans le temps imparti. Voilà. Nous allons passer à la deuxième attaque ici. Zone du bas qu'on va
chercher directement. Déployer ou alors par le haut. J'hésite. Je pense qu'on va aller chercher par le haut. Une étoile, attention.